Ok, ça va. Si les problèmes de connexion sont réglés, on part sur la prochaine vidéo. Les métis sont privilégiés. On est parti, tout le monde est prêt? Let's go. Les blancs, la femme est arrivée ici et ils se sont mariés pour qu'elle vienne. Et par contre, elle a décidé de faire un enfant, non pas parce qu'elle aimait l'homme, mais parce qu'elle voulait un enfant métis. Bon, je m'appelle Estelle Depri, je suis étudiante en communication. Je suis également la co-créatrice du podcast Sans Mort de Rien, qui est un podcast. Non, non. Casse qui traite de blanchité. On appelle ça une feinte de frappe. Et de racisme en Belgique. Et je suis métissée belgo-congolaise, ma maman est blanche et mon papa est congolais. Donc moi je m'appelle Ambre, j'ai 23 ans, je suis en dernière année de master en psychologie clinique et psychopathologie. Alors mes origines, donc c'est congolaise et un peu grecque. Et du côté de ma mère, c'est principalement congolais. Je m'appelle Laure Fournier, j'ai 27 ans, je suis animatrice radio et animatrice web et je fais des vidéos sur internet. Je suis belgo-congolaise. Mon... Alors c'est quoi cette coupe de cheveux? Non, sincèrement. Sincèrement. Mon père est métis, congolais belge et ma mère est belge. C'est pour ça que je suis jeune. Les métis se sentent supérieurs aux femmes noires. Non. Après, je pense qu'il y a une nuance entre se sentir supérieur et reconnaître qu'on a un privilège et qu'on a des traitements de faveur, par exemple. En fait, moi, je pense que ça a changé déjà avec les générations. Pourquoi? Parce qu'avant, être métis, il y avait la rareté aussi. Exactement. C'est-à-dire que les métis, elles n'étaient pas nombreuses. Mais aujourd'hui, en 2020, pardon, mais tu soulèves une pierre. Il y en a un million. Il n'y a que ça. Il y en a tellement, tu ne peux pas te sentir supérieur. Alors, on est un million à être supérieur. Alors aujourd'hui, tu dois. On est une parmi tant d'autres maintenant. Voilà. Une fille curly, enfin, c'est même un terme maintenant. Curly, tu claques des doigts. Donc, effectivement, je pense qu'une femme. Après, une femme métisse n'est pas plus difficile ou inaccessible qu'une autre. Non, je ne pense pas. C'est juste que c'est toi qui... Oh que non. Oh que non. Je confirme. Non. Non. Alors, pour ce qui est des femmes... Bon, je sais que, voilà, vous allez me demander qui est la plus belle. Bon, allez, on va faire l'exercice. Voyons voir les trois. Milieu, j'imagine. Ensuite, gauche et ensuite, droite. Je pense, même pas. Peut-être gauche avant, j'en ai aucune idée, tiens. Là, on n'est pas sur de la métisse de compétition, on peut le dire. Hein. Oh, Alex, c'est misogyne, mais comment au-dessus ? Alors, rien à foutre, voilà, rien à foutre. Voilà, on n'est pas vraiment sur les plus belles, mais ce n'est pas pour autant que leurs propos seront dénués de sens. Okay, donc, on va les écouter jusqu'au bout et on va arrêter de juger le physique parce que j'ai remarqué, cette communauté, vous êtes vraiment une communauté de merde, vous êtes à mon image, hein, vous êtes des merdes. On a vraiment tendance à juger directement sur le physique alors qu'on est là avant tout pour écouter leurs idées. Pourquoi mélanger le physique aux idées? Ah oui, parce qu'elles peuvent avoir le physique de leurs idées. C'est vrai. C'est vrai, effectivement. Ça sort de ma bouche, en plus. Alors, voyons voir. De ce qu'on se fait d'une femme métisse. Plusieurs femmes se sentent inaccessibles, mais ce n'est pas parce qu'elles sont métisses. On peut retrouver ça chez des femmes blanches, on peut retrouver ça chez des femmes c'est asiatiques. Ce que j'allais dire. Et justement, ça rejoint... Exactement, ça rejoint... Après... Arrêtez de parler en même temps, c'est pas possible. Le fantasme autour de... Non, celle de gauche avant. Gauche, milieu, droite. Ben, ils ont fait... Ben, tiens, d'ailleurs, ils les ont classés directement pour nous. C'est parfait. Gauche, milieu, droite. Du nouveau modèle de beauté à la Kim Kardashian. Ouais. Tous ces hommes noirs qui ne veulent pas une femme noire, mais qui veulent des attributs sur une femme blanche. Donc, des grosses fesses, des lèvres pulpeuses, etc. Ouais. Un air un peu exotique, tout en ayant le privilège d'être une femme blanche. Ouais. En ce moment, bah, y a rien à dire. Il y a une hype autour de l'homme noir. Il y a une hype autour de... On veut tout un Will Smith, un Kenny, un Dadju. C'est vrai, il y a eu toute cette montée des franglish. Les hommes noirs sont tellement à la mode qu'aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui diraient « Moi, jamais je veux un noir parce qu'elles veulent... » Moi, personnellement, j'en connais. Dans mon environnement très, très blanc, j'en connais. Ce ne sera pas de manière explicite, c'est juste pas un délire, c'est pas mon délire. Et elles te le disent comme ça, normal. En fait, j'ai souvent, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'ai souvent entendu « il est beau pour un noir » ou bien « elle est belle pour une noire », mais comme elle est noire, je ne serais pas intéressée. En ayant grandi justement dans un milieu comme ça où je... En étant toute petite, je me voyais qu'avec un blanc, etc. Et j'ai totalement changé ma vision des choses et je me vois avec n'importe quelle ethnie, que ce soit asiatique, latine. Parce qu'elle a goûté. C'est ça que vous avez dit, parce qu'elle a goûté. Vous êtes vraiment des enfoirés. Hein. Vous êtes vraiment des beaux enfoirés avec vos commentaires de merde. Vous savez, à cause de vous, vous savez que j'ai plein de problèmes à cause de vous. Parce que vous êtes des enfoirés, vous mettez des commentaires et ensuite après, tout retombe sur moi. Merci pour le don, Mad Knight. Ça va? Ouais, ça va. Ça va super bien, merci pour le don. Parce que tout retombe sur moi. Donc j'ai vu un commentaire, il y en a un qui a dit oui parce que t'as goûté. Ça veut dire quoi ça? Parce qu'elle a goûté.
Ça veut dire quoi? Clarifiez au moins vos propos. Nos noirs, métis, roux, peu importe. Roux, elle a dit. Blanc, oui, oui. Non, mais dans le sens où. Parce que les roux sont quand même. Comment spéciaux. Dire mm. Non, mais je veux dire. Il faut aussi les aimer, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est dans ce sens-là. Preach, ma sœur. En décolonisant mon esprit, je pouvais aussi décoloniser mes tendances d'attraction sexuelle. Le fait que je sois que attirée par un homme blanc, c'est du conditionnement en fait. C'est par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi et par rapport à ce que la société ou la sous-culture dans laquelle j'ai grandi, enfin ce qu'elle m'a transmise. Mmh. Les hommes préfèrent les femmes métisses. Quels hommes? Oui, les hommes. Quels hommes noirs ou les hommes blancs? Bah, pas tous les hommes, non. J'ai répondu oui parce qu'à mes yeux, en prenant en compte le colorisme, c'est vrai que par exemple une femme métisse, je pense, a tendance à avoir plus de succès qu'une femme noire, pas forcément qu'une femme blanche, de par le fait que ses attributs se rapprochent davantage des attributs occidentaux, eurocentriques, et qu'en même temps, donc en plus de ça, il y a l'aspect de ce fantasme de l'exotisme. Oui, au niveau de la couleur, oui. Où il y a cette fétichisation de la femme métisse. Tout ce... Au niveau de la couleur, potentiellement aussi de la culture. Ok, c'est possible aussi. Oui. Alors, oui, bien entendu, bon, les métisses, oui. Bien plus la cote que les femmes noires. Femmes blanches, non. Femmes noires, oui. D'accord. Qui est donc les femmes vidéo-vixennes, c'est-à-dire... Les... Attends, avec les hommes noirs, c'est encore une fois un autre sujet. Mais si on parle des hommes de manière générale, vis-à-vis des femmes noires, oui. Vis-à-vis des femmes blanches, je pense pas forcément. Et les femmes dans les clips de R&B, hip-hop, etc. sont souvent des femmes light-skin. Et donc du coup, bah, associé au métissage, même si c'est pas forcément le cas. Je pense qu'il y a vraiment cette idée, cet archétype de la femme métisse qui est exotique, donc qui a... Il peut y avoir du métissage. Le métissage, ce n'est pas forcément... C'est pas forcément noir et blanc, ça peut être aussi dans le noir. Et puis tu sais, il y a plein de variations. Tu sais, ça me fait rire un peu tous ces noirs qui disent « Oui, moi, c'est que les noirs des États-Unis ». Ah mais les Noirs des États-Unis, mon ami, c'est des métisses. Hein. Elles-mêmes ne savent même pas d'où elles viennent. Tellement ça a été mélangé, ça a été mixé, ça a été... C'est juste une espèce de Noir un peu plus métissé. Et donc peut-être un peu plus à ton goût. Voilà, parce qu'elles ont été métissées, elles ont été mélangées. Si elles remontent elles-mêmes dans leur arbre généalogique, elles seraient elles-mêmes surprises. Parce qu'il doit sûrement y avoir peut-être même des fois un peu de blanc, un peu de ci, un peu de ça. Enfin, les Renois des États-Unis, ok, Renois, ok, vu qu'ils aiment bien ce terme, c'est des métisses. C'est des métisses. Métis, ce n'est pas forcément blanc ou noir, forcément. Okay, souvent, on se méprend par rapport à ce terme. Donc, il faut le comprendre aussi. Donc, tous ces hommes qui viennent me voir, « Non, mais les Noirs des États-Unis, c'est mieux. » Oui, mais tu préfères les métisses, mon ami. C'est bien ce qu'on pense. C'est soit les Noirs des États-Unis qui ont été mixés, donc des métisses, soit les métisses comme tu l'entends, c'est-à-dire blanc et noir. Voilà. Ça reste du métissage. Qui est... foncé mais pas trop, qui a les cheveux bouclés mais pas trop, qui a des lèvres pulpeuses mais pas trop. Et des beaux yeux clairs. Exactement. Donc, et dans ce sens-là, alors on a les femmes métisses ont un certain succès. J'ai déjà entendu des hommes, même des hommes noirs, dire « Ah, moi, je sortirais que avec des métisses, je sortirais pas avec des femmes noires. » Enfin, mais en fait, comment tu vois ta maman? Tu vois des trucs comme ça, je me dis... Mais en même temps, j'ai pas envie de leur en vouloir parce que c'est vraiment une pression sociale. Attendez, qu'est-ce qu'elle vient de dire, là? Comment tu vois ta maman? Tu vois des trucs comme ça, je me dis... Mais en même temps, j'ai pas envie de leur en vouloir parce que c'était vraiment une pression sociale. Oui. Un certain succès. J'ai déjà entendu des hommes, même des hommes noirs dire « Ah, moi, je sortirais que avec des métisses, je sortirais pas avec des femmes noires. » Enfin, mais en fait, comment tu vois ta maman? Tu vois les... Mais tu niques pas ta maman. Enfin... Tu niques pas ta maman. Donc tes goûts, que ce soit au niveau sexuel ou peu importe, ça n'a aucun rapport avec ta maman. Ta maman, tu la vois comme une maman. Pas comme une femme à proprement parler. On est bien d'accord. Donc à partir de là, quel rapport? Donc si je dis demain que j'aime les gros popotins, mais comment est-ce que tu vois ta maman? Est-ce qu'elle en a un gros? Est-ce que... Ça n'a aucun rapport. C'est mes goûts. Quel rapport avec ma maman? Aucune idée.
trucs comme ça, je me dis, mais en même temps, j'ai pas envie de leur en vouloir parce que c'est vraiment une pression sociale, oui. C'est un système, on nous met tout le temps ces mêmes canons de beauté devant les yeux constamment, et du coup ça construit un imaginaire et dans l'esprit des hommes, qu'ils soient blancs, noirs ou... Ces femmes, bon, même s'il y a des hommes aussi qui se blanchissent la peau, mais bon, en proportion. Mais donc du coup, elles sont les réelles victimes parce qu'en fait, je suppose que je peux pas mettre à leur place, qu'elles veulent tellement se rapprocher de ces privilèges en fait associés au colorisme et au fait d'être plus claire de peau que je ne pourrais même pas leur en vouloir parce que effectivement, il y a des privilèges associés au fait d'être plus claire, se sentir plus désirable en tant que femme, avoir peut-être plus d'opportunités en termes de carrière dans le milieu hollywoodien ou médiatique si on travaille dans cette industrie-là en tant qu'actrice, en tant que mannequin, etc. Et donc c'est triste. Les hommes préfèrent les femmes métisses. Moi, pourquoi j'ai dit non? Parce que en ce moment, c'est pas vraiment le cas. Comment dire? Est-ce que je vais dire les termes dès maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle a répondu non? Ou bien est-ce que je vais me taire pour éviter les problèmes? Allez, continuons. Femmes qui sont vraiment à la mode en ce moment, c'est les Kim Kardashian, oui. Les filles blanches avec des longs cheveux noirs et lisses et très bombées, voilà. Ça, c'est les femmes que les hommes préfèrent en ce moment. Oui. Concernant les filles métisses, on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment une hype autour d'elles en ce moment parce qu'on les voit partout et elles attirent, elles donnent envie. Du coup, les hommes, bah, ils se disent, ah, c'est un goal en soi et puis du coup, ils draguent les femmes métisses. Et je pense sincèrement que si on mettait plus de femmes noires foncées dans les publicités, dans les médias, etc., etc., elles seraient beaucoup plus abordées par les hommes. Comme les blancs doivent avoir conscience de leurs privilèges blancs, je pense qu'en tant que métisse, on doit vraiment avoir confiance et du privilège que c'est encore dans notre société d'avoir la peau plus claire. Ouais. Par exemple, déjà juste au niveau de mon nom, par exemple, je m'appelle Estelle. J'ai juste au niveau de mon nom pour chercher un boulot ou quoi, parce que moi je mets pas ma photo sur les CV, je fais pas ça. Mais juste au niveau pour chercher un boulot, etc., c'est déjà une chance, c'est un passing de fou en fait. Et sur le continent africain aussi. Oui. Je pense que le fait qu'on ait des noms blancs, ça nous aide beaucoup ici. Moi, personnellement, je n'ai pas de nom blanc, mais je suis totalement d'accord. Et je prends toujours en compte le fait que je sois métisse parce que je sais que c'est un privilège. Mm-hmm. Et le fait de ne pas prendre en compte mon métissage, ce serait nier mon privilège, en fait. Exactement. C'est vrai. Donc, du coup, je me considère toujours comme les deux. Faut arrêter le blackfishing. Voilà, faut arrêter. Tu nais blanc, tu restes blanc. Voilà, nous, on est nés métis. Certains sont nés noirs. Chacun garde sa couleur. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut pas s'éclaircir quand on est noir. Il faut pas se teindre en noir quand on est blanc. C'est tout. Un point, c'est tout. Parce que si tu prends notre couleur de peau, alors tu prends aussi tout le bagage que tu as. Exactement. Tu peux pas être noir. Parce que l'air de rien, toi, quand tu vas chercher un travail, tu enlèves ta peinture. Voilà. Toi, quand tu vas, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu auras beaucoup plus de facilité en tant que blanc. Mais si tu veux prendre la couleur de peau, tu prends tous tout le bagage. Tout ce que ça implique. Tout ce qu'il y a derrière. On ne peut pas juste choisir de prendre la culture noire, des attributs physiques noirs. Pour faire une photo Instagram. Oui. Voilà. Et toujours bénéficier du privilège blanc et ne pas prendre avec tout ce que ça implique au niveau identitaire, au niveau racial, etc. Beaucoup de gens... Écoutez, j'en ai marre d'entendre les mêmes discours. J'ai pas envie de me répéter à chaque fois. Parce que ça commence à me faire chier. Toujours les mêmes discours, toujours la même victimisation, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes propos. Enfin bref, de la victimisation constante. Est-ce qu'on continue la vidéo ?
honnêtement. Parce que moi, j'ai eu ma dose. Est-ce qu'on la continue? Dites-moi. Personnellement, moi, j'ai eu ma dose. Hein. C'est bon. Elles m'ont eu, elles m'ont battu. Franchement, c'est toujours les mêmes propos, donc je ne vais pas à chaque fois répéter les mêmes choses. Ça n'a aucun sens. Franchement, je vais pas... On a eu le cas la dernière fois, à peu près une vidéo similaire. Je vais répéter simplement les mêmes choses. Ça ne sert à rien. On a déjà abordé le sujet maintes et maintes fois. Non, merci. On est d'accord? On est d'accord? On arrête? Tout le monde est d'accord? Allez, au revoir. C'est bon. On va saouler cette vidéo.